Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Un petit tutoriel. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines pièces que vous pouvez voir sur un magazine, dans une exposition, ou peut-être même dans votre propre vitrine, pourquoi certaines pièces semblent plus réussies que d'autres? Pourquoi certaines pièces semblent beaucoup plus réelles que d'autres, collées à la réalité que d'autres? Alors, c'est pas seulement une question de peinture, que ce soit à l'aérographe ou au pinceau d'ailleurs. Bien sûr que le maquettiste, l'artiste, quand il dépose sa peinture sur sa maquette, sa dextérité, sa vision de la chose, la façon dont il interprète, vous voyez, une teinte, un camouflage qui est en taille réelle sur une petite pièce en 1/35e ou 1/48e, tout ça, ça joue, évidemment. Ensuite, il a su reproduire les traces de vieillissement, à partir de photos réelles, etc. S'il a posé sa pièce sur un diorama, il a su choisir son diorama, les figurines, les interactions entre les figurines, etc., etc. Évidemment que ça, ça joue beaucoup. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, dès le départ, dès le montage, dès l'ouverture de la boîte, par la qualité, la finesse des grappes, du moulage, quelque chose qui est important? Et surtout, que faire quand la qualité du moulage, quand la finesse du moulage n'est pas au rendez-vous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. C'est le sujet de cette vidéo, on va en discuter un petit peu ensemble. Alors là, vous avez devant vous la pièce d'un kit, imaginons que c'est la trappe arrière d'un véhicule, par exemple, avec à droite des rivets, à gauche une trappe et au centre, disons, une pièce de matière. Okay, cette pièce, on la dégrappe, on la tranche en deux et en voici la coupe, un profil de la coupe. Okay, alors, je vous le dis tout de suite, la qualité de ce moulage, là, de la vue en coupe que vous voyez, ça n'existe pas dans le réel. Pourquoi? Parce que les angles, tous les angles, vous pouvez regarder, sont tous impeccablement à 90 degrés. Bien droit, bien pointu, bien fin. Ça, c'est le moulage d'exception. Voilà. Dans la réalité, dû aux techniques de moulage, etc., tous ces angles sont légèrement arrondis. Okay, alors, sur une maquette de très grande qualité, vous voyez, Tamiya, les dernières Tamiya, le fantôme qui vient de sortir, là, ça s'en approche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça donne une impression de finesse, chaque pièce, chaque gravure est vraiment réaliste. Par contre, sur, disons, un kit monogramme des années 60, voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, les angles sont arrondis. Un peu. Ce qui fait que, et à la peinture, et après à la phase de jus, le jus va moins glisser, il va se mettre pas vraiment au bon endroit. Alors quelquefois, c'est vraiment microscopique, mais visuellement, on voit tout de suite. Même si c'est une photo sur fond blanc, ou même si vous avez incrusté votre photo dans un faux paysage, etc., on voit tout de suite que c'est une maquette. Voilà. Quand les angles sont vraiment droits, comme ça, voilà, là, on a vraiment une impression de réalité terrible. Dans ce genre de pièce, sur ce genre de pièce, dans une coupe parfaite, les jus vont se mettre parfaitement là où il faut. Okay, là aussi, il faudra choisir judicieusement, pardon, la couleur de ces jus, etc. Et ça va ajouter un gros réalisme à votre pièce. Alors, quand on travaille, j'en ai l'exemple tout à l'heure avec la dernière maquette, le dernier fantôme de Tamiya, au 1/48e, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a absolument rien à refaire. Il y a juste à coller correctement la peinture, faire une belle peinture, et roule ma poule en vitrine, c'est magnifique. D'accord, mais on arrive, ça nous est tous arrivé, ça nous arrivera encore beaucoup, de tomber sur des kits où la gravure n'est pas si fine que ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Certains vraiment vieux kits, hein, pour les LR ou les vieux monogrammes, il y a des pièces, des gravures comme ça, comme là sur le profil qu'on a vu tout à l'heure, les rivets, etc. Il faut carrément tout enlever et tout refaire. Quand vous allez le refaire en scratch, là, les angles seront beaucoup plus nets. Okay, il y a des pièces où on peut effectivement refaire certains, pas seulement des rivets, mais certaines lignes, certaines pièces, certains reliefs, etc. Voilà, beaucoup sur les trappes, par exemple. Les trappes, quelquefois, même si c'est une trappe ronde, une trappe rectangulaire, sur un char, etc., soit elle est trop épaisse, soit effectivement, il n'y a pas d'angle à 90, c'est légèrement arrondi, donc les jus ne vont pas se mettre. On voit que ce n'est pas une trappe qui est, comme dans la réalité, c'est une trappe qui peut s'ouvrir ou se fermer, donc les bords sont bien nets. Là, on voit vraiment, si on observe bien, que ça fait partie de la pièce entière, que c'est moulé dedans, ça ne donne pas une impression de réalité. Et bien là, beaucoup de maquettistes vont enlever cette trappe, poncer, repenser correctement, et refaire la trappe à partir de cartes plastiques.
Ok, alors sur ce genre de pièce, là c'est une pièce dragon, un stug, ok, on peut toujours l'améliorer. Alors dragon, c'est plutôt dans le haut du panier, hein, c'est plutôt pas mal, ok, mais il y a toujours moyen d'améliorer. Vous voyez là, par exemple, toutes ces petites plaques là, ce sont des plaques posées qui sont censées s'ouvrir. On voit ici les paniers, les petites poignées. Donc on peut toujours creuser, par exemple, pour agrandir, enfin, tu vois, en profondeur, pour que les jus coulent mieux, ça paraîtra plus profond, plus réaliste. Et là, on peut prendre une pointe, on peut prendre alors une lame de scalpel neuve avec la pointe nickel. Et on peut, alors dans les coins, par exemple les angles, pour les bien les rendre à 90, vous verrez qu'on voit toujours, il y a un petit boudin de plastique qui part à chaque fois. Et ça, c'est plutôt bon signe. Ok. On peut ensuite poncer un peu les angles là, légèrement, avec un bâton mousse pour les rendre un peu plus droits, etc. Et dans les creux là, pour que les plaques soient vraiment... on peut prendre une pointe ou alors un petit outil, alors soit une pointe comme ceci, hop, soit un petit crochet comme ça, soit aussi vous avez évidemment les outils de sculpture, par exemple le petit outil Tamiya là. Voilà. Et puis là, délicatement, et on agrandit, un petit boudin qui se fait. Et là, ça va améliorer la définition. Alors, on le voit peut-être pas immédiatement, quoique. Ok. Mais vous verrez qu'à la peinture, quand vous serez à la phase de peinture, à la phase de jus, etc., vos jus vont rentrer parfaitement. Ça va les définir les formes bien plus précisément. Voilà, moi, je fais ça quelquefois dans les angles aussi. Ensuite, si vous voulez bien faire, vous savez, la maquette, ça dépend aussi du temps que vous voulez y passer, etc., etc. Certains adorent monter une maquette assez rapidement et passer à la phase de peinture et se faire une maquette toutes les 3 semaines, 4 semaines. Voilà. Puis certains aiment y passer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Ok. Là, par exemple, on pourrait creuser ici, vous voyez ces petits détails ici, refaire un trou à la perceuse, bien lisser le trou. Poser une plaque ici en dessous, le trou sera donc beaucoup mieux défini, il se verra mieux que là. Ok, pareil pour les petits trous pour les poignets ici, on pourrait les refaire, creuser l'intérieur, mettre une plaque en dessous, refaire les petits écrous, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire, hein, suivant le temps, qu'on veut y passer. Donc là, c'est un kit dragon, les kits dragons sont plutôt bons. Mais vous voyez, on peut déjà améliorer. Alors surtout, n'oubliez pas que, vous voyez, comme par exemple ici, on voit très clairement qu'on a bien creusé. Okay. On peut, si on le souhaite évidemment, c'est plutôt conseillé, prendre un peu de colle Tamiya, bien essuyer le pinceau pour pas qu'il reste trop de colle, et passer un peu comme ça dans les endroits où vous avez passé votre lame, pour faire fondre les derniers scories, et puis on voit très nettement que, voilà, que c'est un peu mieux. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des photos de référence pour comprendre si telle plaque, on peut la bouger, on peut la dévisser, si, voilà, quel est le principe du truc, tu vois, comme ça, c'est vachement mieux après. Voilà. Si c'est une plaque qui est simplement posée, il n'y a pas besoin de refaire les trucs. Si c'est une plaque qu'on soulève sans arrêt, comme celle-ci, avec des poignées, donc on doit, pouvoir la soulever, là, le jus, il doit être vraiment noir et on doit bien voir la délimitation de la plaque. Ok. Voilà. Il y a aussi des petites choses comme ça, ça c'est une pièce d'une autre maquette. Donc là, la qualité est pas extra, c'est un truc de chez Bronco, je crois, si j'ai bonne mémoire. Donc quand on regarde très 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 précisément, vous voyez ces petites pièces qui sont sur les 4 coins, hein, qui sont des pièces de renfort, et ben on voit très nettement que l'angle est vraiment pas à 90. Hein, là, voilà. Donc là, la solution, c'est de l'enlever. Là, vous voyez, je l'ai enlevé ici sur le côté. Donc on utilise le cutter ou des petites lames comme ceci, voilà, ouais, clac, délicatement. Et puis on refait cet angle en carte plastique, doucement, un petit triangle. Voilà. Et puis vous verrez que ça ajoute beaucoup, beaucoup à la définition. On pourrait refaire cette pièce ici également, okay, qui est censé être un câble là entre les deux pièces. Alors on pourrait mettre un triangle ici, un triangle là, puis là un véritable câble. Enfin, je veux dire, un petit câble métal très fin. Ça, c'est aussi une possibilité d'amélioration. Alors ici, une pièce, ça c'est la moitié de casserole d'hélice de mon L-Diver.
Alors, ce kit, c'est du short run, donc il y a beaucoup de travail sur chaque pièce. Ici, on peut voir le boulot. Hein. Je ferai ça plus précisément avec mon petit aiguille. Hop. Voilà, vous voyez là, tout le bord, il va falloir repenser, retravailler, que ça soit bien arrondi. Il va falloir l'amincir aussi, parce que c'est pas aussi épais que ça. Hein. Donc, il va falloir repenser ici un peu l'intérieur. Toutes ces plaques-là, elles sont mobiles sur l'appareil réel. Donc là, les capots sont ouverts. Okay. Le pilote, avec une simple commande, peut les refermer. Donc vous voyez ici les plaques, par exemple. Entre chaque plaque, ça devrait être du vide. Vous voyez ? Voilà. Donc là, c'est pas fait. Il va falloir creuser, couper ici. Okay. Il va falloir approfondir très nettement. Je l'ai déjà fait ici, j'ai commencé sur une partie. Okay. Il va falloir recreuser un peu plus ici, là, tout le long de la ligne. Là. Voilà. Okay. Et puis bien travailler chaque petite pétale ici. Voilà. Certains choisiront de refaire ici à l'intérieur, de couper ça complètement, de refaire pétale par pétale. Voilà. Il y a toujours plein de choses à faire pour améliorer la définition. Une autre pièce ici. Voilà. Là aussi, dragon. Ok. Et ben là aussi, hein, dans les creux, on peut recreuser ici, pour que les angles soient vraiment nickel. Chaque partie, poncez un peu ici pour que l'angle soit vraiment à 90. Et plus vous passerez du temps comme ça, plus vous aurez une définition après. Vous le verrez déjà quand vous passerez l'après. Dès que vous passerez l'après, vous verrez une nette amélioration, la définition des détails. Voilà. Ça, vous voyez, c'est censé représenter un câble. Cette partie ici, là. Ok, bon bah ça, tu vois, idéalement, ce genre de câble n'est jamais bien droit comme ça. Il faudrait couper, l'enlever, et puis en refaire un avec un fil de fer, un petit fil. Voilà. Et ça sera déjà d'une meilleure définition que ça. Quoique là, c'est pas super mauvais, c'est déjà pas mal, c'est du dragon, je vous dis. Voilà. Là, on pourrait aussi définir ici un peu plus. Et avec une aiguille, ou je vous rappelle, avec la pointe du scalpel, ça va aussi très bien. Alors quand vous faites avec la pointe du scalpel, faites bien attention à l'angle, hein, vous vérifiez bien la pointe, et puis il faut être très délicat, hein, faut aller tout doucement, et puis à force on voit des petits scouris qui s'en va, et puis quand on passe l'après, je vous dis, on voit tout de suite que la définition a été retravaillée, et que c'est vachement mieux. On passe un petit coup de... N'oubliez pas ça, parce que souvent on me dit, ouais, mon travail n'est pas aussi propre que toi, quand j'ai vu en vidéo. Bah oui, c'est parce que moi je passe la colle et ça fait fondre toutes les petites scories et ça va beaucoup mieux. Alors ici, une autre pièce. Le capot avant du MATV de chez Bronco. Voilà. Et là, vous voyez, on voyait très nettement quand on sort la boîte à sortie de crabe, quoi, que ici, là, dans la pièce ici, oups, je cherche toujours ma petite aiguille, elle est là. Voilà, tu vois, dans cette pièce ici définie comme ça, c'était très arrondi. Alors que sur la vraie, il y a vraiment, voilà, c'est vraiment défini comme ça. Donc là, bah, pareil, je vois, je l'ai fait déjà là. Mais voilà, on passe aiguille, pointe de scalpel, tout doucement. Et puis on voit bien qu'on enlève les scories comme ça. Vous voyez, on le voit, je le refais là. Hop. Voilà. Alors il faut y aller tout doucement, tranquillement. Parce que évidemment, si on fait n'importe quoi, on peut rayer, on peut faire des griffures, il faut repasser après avec le mastic, etc. Compliqué, alors que si on le fait bien comme il faut, en faisant plusieurs passages, voilà, on obtient assez facilement une meilleure définition. Ça dépend aussi de la qualité du plastique. Hein. Okay. Donc là, vous voyez, c'est pas très joli, plein de scories, hop, repinceau. Donc ça, c'est une des techniques. Vous savez, quand je monte des maquettes, et qu'après, certains maquettistes la font chez eux, ils disent, oui, mais moi, ça n'a pas une meilleure... Enfin, j'ai pas la même définition que toi, etc. Bah, parce que moi, je fais ça. Et là, ça ne se voit pas très bien à l'œil nu, mais quand on passera le jus, quand on fera la peinture, la pièce aura l'air d'une meilleure définition grâce à tous ces... Voilà. Là, je lève toi ici, j'ai pas touché encore, alors que là, j'ai commencé à faire. J'ai pas nettoyé encore, mais bref, je le ferai plus tard. Mais ici, c'est un peu creusé. Voilà.
Alors voilà, comme vous le voyez, ça peut être un travail assez fastidieux, ça dépend de la maquette que vous avez, mais enfin, voilà, ça permet cette petite technique d'utiliser des vieux kits quelquefois, ou des kits qui sont pas bien, enfin, où la gravure est pas terrible, on arrive tout de même à en faire quelque chose de bien. C'est aussi une façon d'aborder et de commencer le scratch build, c'est-à-dire le fait maison. Et on commence à refaire des petites pièces soi-même, on commence tout doucement par le, vous voyez, le petit coin que je vous ai montré en triangle, une petite barre, un petit truc, et petit à petit, on arrive à refaire des choses à peu près sympathiques. C'est pas bien compliqué, il faut y aller tout doucement, il faut y aller calmement, voilà, refaire les angles comme je vous ai montré et tout, et généralement, une fois qu'on a tout fait sa maquette, que le montage est terminé, qu'on attaque la phase de peinture, on est quand même assez content du résultat. Et à la photo finale, on voit que c'est telle maquette, mais que c'est, voilà, c'est plus fin, c'est travaillé. Il y a quelque chose en plus. Ok ? Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu. On fera là, sur le montage du Helldiver par exemple, on refera quelques petits trucs de scratch ensemble, tout ça, pour que je vous montre quelques petits trucs. Voilà, après il y a tous les outils pour le scratch, build, bon, j'en ai montré une petite partie dans la première vidéo du Helldiver. Il y en a d'autres, voilà, on verra ensemble, etc. Mais c'est une bonne façon de commencer le scratch build. Ok, très bien. Je vous remercie, prenez soin de vous, et je vous dis à très 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 bientôt dans une prochaine vidéo. A plus, ciao.